Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis dans mon salon pour vous faire ce petit live. Ça change un petit peu. Je vais partager le live comme ça. J'ai le PC qui est à côté. Je vais partager le live et ça me permettra aussi de, si je peux retourner la caméra à un moment donné pour vous montrer un petit peu les diagnostics, comment ça se passe, comment je m'organise pour vous les faire. Donc ce soir, on parle en effet de diagnostic personnalisé. J'espère que ce live va vous plaire. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par diagnostic personnalisé, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous pouvez en profiter surtout, parce que c'est surtout pour vous. Alors, je vais déjà partager le live. Je sais qu'il y a Castex qui est en train de parler, nos ministres sont en train de parler, donc je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de monde. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ça me permettra de quand même vous avoir parlé de tout ça et vous regarderez en replay au cas où, c'est pas très très grave. Alors, hop, je partage. Bon, comment ça va? Est-ce qu'il y a du monde? Qui est là? Il n'y a pas beaucoup de monde, c'était sûr. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Alors, je partage, je partage. Bon, bah, je pense que je vais être toute seule ce soir, ça va faire bizarre. J'ai pas choisi mes. En fait, je pense pas à regarder le planning des annonces du gouvernement quand je fais mes lives. C'est une grosse erreur de ma part. Parce que du coup, ben, forcément, il y a moins de monde. Ah, ok. Coucou, qui est là? Alors, j'ai partagé mon live. Je vais commencer pour pas que ce soit trop long parce que je pense qu'il y aura beaucoup de personnes sur le replay. J'ai mon petit baume à lèvres là de chez NCLA. Je l'adore. J'adore, j'adore. J'en mets beaucoup en ce moment. Alors, on va attaquer. Faut que j'attaque avant que mon chéri rentre parce que j'ai squatté le salon. Et là, il vient de me dire qu'il arrive. Je lui ai dit, attends, je suis dans le salon. Bon, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Regardez, j'ai reçu un nouveau pull de Noël. Il est trop cadeau. J'adore. Voilà, je suis comme les gosses. C'était une petite parenthèse qui ne fait absolument pas professionnelle. Mais c'est pas grave, vous me connaissez. Donc, diagnostic personnalisé. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire ce soir? Le diagnostic personnalisé, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert et comment en bénéficier. Je suis donc styliste beauté. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, une styliste beauté, qu'est-ce que c'est? Je suis là pour vous guider dans votre routine beauté, que ce soit pour des soins ou que ce soit pour du maquillage. Vous pouvez trouver plein de produits exceptionnels sur mon site internet que je vais vous mettre de suite en commentaire. Mais il y a plus de 500 produits. Il y a plus de 500 produits sur mon site. Ah, le commentaire marche pas. Normalement, j'ai mis un commentaire. Est-ce que vous voyez les commentaires? Je vais peut-être pas les voir. Je vais retenter ici. Attendez, hop. Je vais retenter là. Je sais pas pourquoi. Hop, hop. Donc, mon site internet, le voilà. Épinglé, voilà. Donc, sur mon site internet qui est en commentaire, www.beautycindy.fr, vous avez plein de produits que nous avons sélectionnés. Ce sont des produits qui sont en partie bio, vegan. Donc, on prône la naturalité chez Joli Moi. Donc, vous avez beaucoup de produits naturels pour respecter votre peau. Ça, c'est très, très important. Vous avez en maquillage également en non naturel la marque MAC sélectionnée pour sa qualité professionnelle parce qu'on a une tenue
extrêmes, on a des produits qui sont accessibles au niveau prix et on a le leader du maquillage. Donc voilà, vous avez plusieurs produits sur mon site, mais si vous vous retrouvez comme ça, vous avez besoin de changer votre routine, vous cherchez une crème pour le visage, une crème pour le corps ou un shampoing, par exemple, vous dites tiens, j'ai entendu parler du site de Cindy, de sa super sélection de produits, vous allez sur mon site, vous allez vous retrouver avec une multitude de produits, vous avez plus de 500 produits qui s'offrent à vous et c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Vous allez avoir des marques que vous ne connaissez pas forcément, à part MAC en maquillage et encore, il y en a qui ne connaissent pas. Donc vous allez, vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc c'est là où je dois intervenir en tant que styliste beauté. Je vais être là pour vous conseiller et pour éviter de vous perdre, pour ne pas vous faire perdre de temps et pour ne pas vous faire perdre d'argent. Parce que en tant que styliste beauté, je suis là pour prôner la non-surconsommation. Donc le but n'est pas de vous faire acheter un maximum de produits que vous allez garder dans votre salle de bain et que vous n'allez jamais utiliser. Je suis contre ça. Donc mon but va être de vous apporter mon diagnostic pour que vous puissiez sélectionner rapidement les produits qui vous conviennent, qui sont faits pour vous, vraiment, et que vous allez utiliser. Que vous saurez utiliser, que vous aurez le temps d'utiliser, et vous aurez compris pourquoi utiliser ce produit, et bien sûr, des produits avec lesquels vous aurez des résultats. Voilà, ça c'est vraiment, moi c'est vraiment ma mission, de vous faire le meilleur diagnostic pour que vous ayez les meilleurs produits qui vous correspondent. Voilà, le but n'est vraiment pas de vous en mettre plein le panier et vous n'utilisez pas les produits. Non, je suis complètement contre ça, ok ? Donc, également en tant que styliste beauté, je suis formée pour tous les produits et je teste moi-même les produits. En plus de ça, je fais partie d'un groupe de testeuses, donc je teste beaucoup, beaucoup de produits pour connaître les meilleurs produits pour vous. J'ai mes préférences, j'ai des produits où pour le moment je ne vois pas de résultats ou je n'aime pas leur utilisation, donc je ne vous les conseillerai pas. C'est aussi ça qui est important dans mon diagnostic, c'est que vous aurez mon avis et mon expertise sur les produits parce que j'ai la possibilité de comparer tous les produits du catalogue, donc surtout demandez-moi conseil. Et donc du coup, ça élimine aussi des produits parce que moi je veux vous conseiller des produits uniquement qui ont des résultats. Ou si j'ai pas pu les essayer, nous avons des groupes d'entraide avec d'autres stylistes beauté qui ont peut-être testé les produits et où j'ai leurs avis également, en toute transparence. Elles nous disent ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Je le dis souvent pendant mes lives, moi j'ai une peau grasse par exemple. Si vous avez la peau sèche, il est fort probable qu'il y ait des produits que je n'ai pas testés. Mais du coup, je vais me renseigner auprès de quelqu'un qui l'a testé ou peut-être des clients à moi qui auront testé les produits pour peau sèche et pouvoir vous les conseiller ou non selon leur efficacité. Voilà, donc en gros, c'est vraiment ça le but d'un diagnostic personnalisé, c'est de vous faire le tri. Sur mon site internet, ok, c'est bien, j'ai mon site, mais le but du diagnostic personnalisé, c'est d'éviter de vous perdre. Vous ne soyez pas complètement perdu avec tous ces produits et toutes ces marques. Donc, de faire le tri pour vous, de vous mettre en lumière et de vous lister les produits qui vous correspondent. Ça vous évitera d'aller voir n'importe quoi ou de mettre n'importe quoi dans votre panier. Voilà, moi je vous fais déjà un gros tri, d'accord ? C'est ça le diagnostic personnalisé. J'espère que tout le monde comprend. Alors, comme il y aura plus de personnes sur le replay, hein, là je suis un peu toute seule, vous n'hésitez pas, même en replay, à mettre vos commentaires parce que là on est en pleine diffusion des annonces du gouvernement. J'ai très mal choisi mon heure. Coucou. Donc, sur le replay, n'hésitez pas à commenter également. Donc, voilà à quoi sert déjà ma mission de styliste et à quoi sert le diagnostic personnalisé pour vous. Ça, c'est les premières choses. Comment en bénéficier ? Parce que, bon, ok, là, je vous ai expliqué ce que c'était. Maintenant, comment vous, derrière votre écran, vous allez pouvoir bénéficier de mon diagnostic ? Parce que vous devez vous dire, oui, bah ok, mais comment elle va pouvoir nous conseiller ? Comment elle va pouvoir faire le tri pour nous si elle ne sait pas qui on est ? Exact, c'est complètement vrai, c'est légitime de vous poser cette question. Vous ne faites pas tous partie de mon entourage. J'ai beaucoup de personnes dans ma clientèle que je ne connais absolument pas de base, que je n'ai jamais vu en vrai, et pourtant je peux les diagnostiquer. Comment je fais ? C'est tout simple, si vous voulez un diagnostic. Alors, à savoir, juste je précise,
Ce que je vais vous indiquer maintenant, c'est complètement sans obligation d'achat. Ce que vous allez faire, ce que je vais vous indiquer de faire, ce n'est pas tout de suite aller payer un truc pour... Non, mon diagnostic, il est complètement gratuit. Ça vous permet de dégrossir, ça vous permet d'avoir une idée des soins que vous pouvez disposer avec vos types de peau ou vos problématiques. Après, vous êtes complètement libre de continuer à être sur mon site, de valider un panier ou non. En tout cas, je vous propose de vous donner un diagnostic personnalisé. C'est quand même super intéressant de savoir ce qui pourrait convenir à notre peau. Et parfois, on a des problèmes de peau, on pense qu'il n'y a rien qui peut nous sauver, ou alors on se dit, oh, est-ce que c'est vraiment un problème? Et là, peut-être que moi, je vais mettre le nez sur un, le doigt sur un truc, et là, je vais vous trouver une solution, et vous allez vous dire, ah ouais, purée, ça peut, on peut modifier ça, quoi. Mais oui, il y a plein de choses, il y a plein de produits assez miracles, où on pense que ça n'existe pas, et quand vous me citez votre problème, je vous dis, ah bah tiens, ça, il existe ça. Ah bon, mais ça, je pensais même pas qu'il fallait le soigner, ou je pensais pas que ça pouvait changer, que je pouvais améliorer ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions et à suivre ce que je vais vous indiquer. Donc, l'étape, la toute première étape, ce que vous devez faire pour pouvoir bénéficier de mon diagnostic personnalisé. Vous pouvez m'envoyer un message personnel, commenter ce live sans problème. Mais de façon plus privée, vous allez vous rendre sur mon site internet qui est en commentaire. Pour les personnes qui sont sur YouTube, vous l'avez en commentaire de la vidéo, c'est le www.beautycindy.fr. D'accord ? Première étape, on va sur mon site. Quand vous allez sur mon site, vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas encore créé de compte, vous avez au-dessus de la page marqué « Démarrer l'aventure ». Alors, ce petit « Démarrer l'aventure », en tant que styliste, on a demandé à ce qu'il soit changé. Donc, si un jour, il change ce mot, soit je vous refais un live, soit je vous écrirai dans les commentaires de cette vidéo la nouvelle inscription. Actuellement, c'est marqué « Démarrer l'aventure ». Vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur un questionnaire. On va vous poser des petites questions. Je vais vous montrer, tiens, hop, je vais vous montrer. Je me suis mis vers le PC exprès pour vous montrer. Donc, vous tapez www.beautycindy.fr. Voilà, vous tapez ça dans votre barre de tâches et vous allez tomber sur mon site. Vous cliquez là-haut sur « Démarrer l'aventure ». D'accord ? Peut-être que je nettoie un petit coup mon écran. Ne bougez pas, je vous nettoie. Hop là. Voilà. Ah zut. Ah oui, ce que je fais avec le PC du boulot, donc il m'a bloqué. Hop, on recommence, c'est pas grave. Donc vous faites démarrer l'aventure. Et là, on va vous poser des questions. Bienvenue, notre spécialité, c'est le conseil, nanani nanouch. On vous met c'est parti, vous cliquez sur c'est parti. Avant de commencer, quel est votre prénom? Alors, toutes les réponses que vous allez écrire sur ce questionnaire sont complètement confidentielles. Elles sont... Ah, je pense que j'avais bloqué le micro. Donc, quand vous répondez au questionnaire, toutes les réponses que vous apportez sont confidentielles. Elles sont uniquement pour moi, en fait. Vous n'allez... personne d'autre ne les verra. Il n'y a que moi qui les vois. Donc, ça, c'est super important. Donc, vous mettez votre prénom. Si je ne sais pas écrire mon prénom, on est mal. Et du coup, on va vous poser la question... Soit un visage, soit un maquillage. C'est en pleine rénovation, ce questionnaire. Donc, plus tard, vous aurez soin cheveux également, soin corps. Donc là, on est vraiment en train de le créer. Et donc, quand vous cliquez sur un des questionnaires, vous avez plusieurs questions. Vous pourrez très bien revenir en arrière et faire les deux. Moi, l'idéal pour vous faire un bon diagnostic, c'est d'avoir toutes vos données, maquillage et soin visage. Sauf si, bien sûr, vous ne voulez vraiment pas vous maquiller... ça m'intéresse pas d'avoir vos réponses maquillage, mais si vous voulez un diagnostic sur le make-up, j'aime bien connaître votre type de peau et ça je vais le savoir si vous remplissez le questionnaire soins visage. Une fois que vous avez rempli tout ça, à la fin ça vous inscrit, en fait je crois qu'on doit vous demander un mot de passe parce que ça crée votre compte sur mon site internet, ça vous permet d'avoir votre compte cliente. Et de là, moi, je reçois une petite notification sur mon téléphone. J'allais vous montrer mon téléphone, mais il est là. Je reçois une petite notif et ça m'indique que quelqu'un vient de s'inscrire et remplir le questionnaire sur mon site. De là, je vois qui vous êtes. Soit je vous connais, je vous ai dans mes contacts, je vous envoie un petit message sur Messenger.
Si je ne vous ai pas dans mes contacts, je vous envoie un mail pour vous remercier de vous être inscrite. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un spam si vous voyez un mail de Beauty Cindy, c'est moi-même. Par ce mail ou par ce messenger, je vous demande si vous souhaitez un diagnostic personnalisé. Je ne veux pas vous envoyer un diagnostic systématique parce que si vous n'en avez pas envie, si c'était juste pour aller voir quelques produits du e-shop et vous savez déjà ce que vous voulez, je n'ai pas envie de vous polluer, de vous spammer ou de vous faire peur. Donc je vous demande, est-ce que vous voulez un diagnostic? Pardon. Donc vous n'hésitez pas à me répondre oui si vous voulez le diagnostic. Moi, une fois que j'ai votre réponse, alors j'ai un métier à côté, je prends quelques temps et je vous réponds dans la journée ou maximum le lendemain. Il me faut quasiment une bonne demi-heure, parfois selon les cas, une heure pour faire un diagnostic. Pour les diagnostics maquillage, je vais vous demander de m'envoyer une photo de vous non maquillée à la lumière du jour. C'est très très important pour pouvoir vous conseiller sur les bonnes couleurs, notamment par rapport au teint. Donc ça c'est important. Pareil, quand vous m'envoyez votre photo, c'est pour moi. Je la garde pour moi. Donc n'ayez crainte. Vous pouvez me préciser si vous voulez un diagnostic pour les soins visage, pour les soins corps, pour les soins cheveux ou pour le make-up. De façon générale, quand je vous demande si vous voulez un diagnostic, en général, moi, systématiquement, je vous fais les trois visages, corps et cheveux. Je ne vous fais pas le make-up, comme c'est des questions à part. Donc, demandez-moi si vous voulez, voilà, si vous voulez le make-up, vous me le demandez. Je peux vous faire tous les diagnostics que vous voulez, d'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Je vais me mettre sur un tableau pour vous expliquer comment je fais mes diagnostics, pour vous montrer que c'est très professionnel. Donc déjà, je vous ai dit, je suis formée, je teste les produits, ça c'est une chose. Ensuite, donc imaginons que voilà, vous êtes inscrit, vous avez rempli le petit questionnaire. Le petit questionnaire s'appelle le Beauty Affinity chez nous. Si vous entendez parler de ce terme, c'est le questionnaire quand vous démarrez, quand vous cliquez sur démarrer. Donc, je vais être alertée, je vous préviens, on s'envoie un petit message. Si j'oublie de vous envoyer un message, ça peut arriver, comme je suis au travail. Si vous vous êtes inscrite sur mon site et que vous voyez pas de mail, pas de messenger, vous me contactez. Envoyez-moi un messenger, moi je suis sûre de le voir. Contactez-moi, dites-moi, coucou, bonjour, tutoyez-moi. Et vous me dites, voilà, je viens de m'inscrire sur ton site, mais tu m'as pas demandé si je voulais un diagnostic, est-ce que tu peux m'en faire un? Dites-moi-le, hein, franchement, on ne sait jamais. Si je vous oublie, des fois, j'ai tellement de multitudes de personnes qui s'inscrivent que je peux en oublier. Donc, surtout, surtout, ne m'en voulez pas, mais dites-moi-le. Vous m'envoyez un message. Donc, une fois qu'on dit oui, je vais vous faire un diagnostic. Je récupère toutes vos réponses. Et oui, je dispose de toutes vos réponses. Je ne vous montre pas à l'écran où j'ai ça parce que c'est complètement privé et confidentiel. Donc, je ne veux pas vous montrer un profil. Ah, quoi que je peux vous montrer le mien. Je peux vous montrer mon profil. Je vais me connecter parce que moi, je m'en fous que vous voyez mes réponses à moi. Donc, moi, j'ai une application en tant que styliste beauté. Je dispose d'un site internet qui est pour moi, qui est très professionnel, où j'ai toutes les clientes. Voilà. Quand vous remplissez votre petit questionnaire, j'ai des alertes ici. Voilà. Par exemple, là, j'ai des clientes qui l'ont inscription du client. Ça veut dire que la personne a rempli son questionnaire. Si je vais ici, j'ai toutes mes clientes et je peux aller chercher, donc je vais aller me chercher moi, et je peux aller voir votre profil beauté. Le profil beauté me permet de voir toutes les réponses à vos questions. Là, j'ai toutes les réponses à vos questions. Donc ça, c'est top. Si vous vous rendez compte qu'il y a certaines problématiques, on ne vous a pas posé la question et vous voulez ajouter du détail, par exemple, je pense à ceux qui ont de l'eczéma, du psoriasis, c'est peut-être pas forcément marqué dans les réponses, vous n'hésitez pas à me le préciser, d'accord? Ensuite, comment je fais? Une fois que j'ai votre profil beauté, moi j'ai créé ça avec Marion, une fille de l'équipe. On a créé cette liste de produits, c'est sous un classeur. Toutes les filles de mon équipe y ont accès. J'ai listé tous les produits qu'on a au catalogue, donc dès qu'il y a des nouveautés, je le mets à jour. Et en fait, j'ai mis le prix, j'ai la catégorie de produits, soin visage, soin pour les yeux. Donc, si vous voulez qu'un soin corps, je filtre soin corps. Et je sais à qui ça convient. Vous voyez un peu, type de peau, grossesse, vergeture, cerne, tous les types de peau, anti-âge, homme,
Cheveux secs, voilà, peau sèche, peau sensible. Je sais tout, de tout, de tout avec ce document. Ce document est une pépite pour moi. Ça, c'est vraiment, je suis vraiment fière d'avoir créé ce document. On l'a alimenté avec Marion et je le mets à jour maintenant continuellement. Et vraiment, c'est une vraie pépite parce que ça me permet de vous conseiller ce tableau-là. Je peux rarement me tromper. Ah oui, je vous remonte un autre truc. C'est qu'également, j'y mets les avis ici. Dès que je teste le produit ou que j'ai des avis de cliente, j'y mets les avis. En rouge, c'est les mauvais avis. En vert, c'est les bons avis. Ça me permet de vraiment vous conseiller au mieux et d'éviter de vous proposer les produits où il y a du rouge. Voilà. Vous voyez qu'on commence à avoir testé beaucoup de produits. D'ailleurs, j'ai encore des avis à mettre à jour. Mais voilà, en tout cas, ça nous permet vraiment d'élaguer, de trier, de vous proposer uniquement les bons produits qui ont du résultat. Voilà, ça c'est comment je fais le diagnostic. Donc une fois que j'ai trouvé les produits qui vous conviennent, je vous envoie un petit message en vous disant voilà, ton diagnostic est terminé, je t'envoie ma recommandation. Quand je fais une recommandation, c'est toujours l'idéal. Je vous ai déjà dit, vous pouvez avoir une bonne crème de jour, mais si vous n'avez pas le sérum qui va avec la crème de jour, elle agit en surface. Le sérum, il agit en profondeur. Donc moi, forcément, mon rôle de styliste beauté, c'est de vous recommander l'idéal. Ce qui fait que vous aurez le meilleur résultat possible. Je vous conseille le meilleur. Donc je vais vous conseiller le sérum plus la crème. Après, vous faites complètement ce que vous voulez. Si vous ne voulez acheter que la crème, vous achetez que la crème. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous connaissez ma recommandation. Si vous n'avez pas assez de résultats avec la crème uniquement, il faudra revenir sûrement en prenant un sérum. Il y a ce qu'on appelle des routines de soins. C'est pas pour rien qu'on parle de routine, c'est parce que chaque produit a son utilisation. Ça, c'est comme si vous posez du papier peint. J'aime bien faire des comparaisons parce que ça vous parle le plus. C'est comme si vous posiez du papier peint et que vous avez pas de colle. Vous dites, ah ouais, mais. Pour le papier peint, il faut que j'achète. Pour poser du papier peint, il me faut une réglette pour couper le papier peint. Il me faut une colle et il me faut le pinceau là pour la colle. D'accord? Bon, vous dites ouais. Alors ça me fait un, deux, ça me fait quatre produits. Ça fait quatre produits. Quatre produits, ça fait un peu cher. Je compare parce que c'est ce qu'on se dit quand on a quand moi je fais des diagnostics, c'est ce que vous allez vous dire. Dites, ah oui, mais là ça fait beaucoup. J'avais pas prévu d'acheter tout ça. Ça me fait un peu cher. Donc j'élimine un produit. Bon, vous n'allez pas éliminer le papier peint. En général, c'est la priorité. Donc moi, dans mon diagnostic, je vous donne les produits prioritaires. Je vous l'écris. Si je ne vous l'écris pas, vous me le demandez, c'est pareil. Me dire, tiens, tu peux me dire les priorités. Je vous les redis. Par exemple, une crème de jour, c'est prioritaire. Donc là, le papier peint, c'est prioritaire, vous ne pouvez pas l'enlever. Ensuite, la colle. Si vous enlevez la colle, on est mal, hein. Vous pouvez avoir le pinceau, la réglette, pas la colle. Donc colle, deuxième produit prioritaire. Donc ça, je peux vous dire dans la routine quel est le deuxième produit que vous ne pouvez pas enlever. Ensuite, vous pouvez enlever le pinceau. Ça marchera, hein. Alors, si vous enlevez le pinceau, ça va marcher. Vous allez commencer à avoir des résultats. Vous allez faire à la main, hein, pourquoi pas. Enfin, à la main, au couteau, comme vous voulez. Je ne sais pas comment on peut étaler comme ça, mais bon, ça peut marcher. Vous pouvez avoir du résultat, vous pouvez poser votre papier peint. Donc c'est la même chose. Si vous prenez une crème hydratante et un sérum, non, on va dire une crème hydratante et un nettoyant, vous allez avoir du résultat déjà. Vous allez permettre d'hydrater votre peau et de faire un bouclier grâce à votre crème. Donc vous allez avoir du résultat. Maintenant, si vous voulez un très bon résultat, que ce soit nickel, je vais vous dire d'ajouter un exfoliant à un sérum. D'accord? Je propose souvent quatre produits dans ma routine. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est selon le résultat que vous souhaitez. Le papier peint, si vous prenez la totale, une réglette pour bien découper votre papier peint sera droit. Vous prenez un pinceau pour étaler la colle. Ça sera plus homogène. Ça vous évite d'avoir des bulles. Et votre papier peint sera nickel. Voilà. Donc ce n'est pas parce que vous prenez pas tous les produits que vous n'allez pas avoir de résultats. Mais. Selon ce que vous prenez, le résultat n'est pas le même. Voilà. Mais en aucun cas, je vous obligerai à tout prendre. Moi, je fais juste une recommandation. En gros, je vais vous donner 5 produits pour le visage, qui est idéal pour vous. Je vais vous donner une routine complète
matin et soir. Souvent, je vous rajoute un masque. Quel est le masque qui vous irait le mieux pour utiliser une fois par semaine? Et puis voilà, c'est principalement ça. Après, si vous avez des problèmes particuliers, des imperfections, des choses vraiment propres à vous, je peux ajouter un autre produit. Mais voilà, en général, on est sur 5-6 produits pour le visage. Pour le corps, en général, on est sur 3 produits, un exfoliant, une crème, voilà, même pas, des fois que 2. Un exfoliant, une crème, ça c'est important. Après, ça dépend, c'est pareil, c'est selon vos spécificités. Les cheveux, c'est la même chose, il y a une vraie routine pour les cheveux. Pour avoir du résultat, il y a une vraie routine. Donc pareil, ça dépend de vos besoins. Donc en gros, je vais vous présenter, en gros, vous allez avoir une liste de 10 produits, on va dire, une dizaine de produits. Donc ça vous aura permis de faire le tri par rapport aux plus de 500 produits que j'ai dans le catalogue. Voilà, ça sert à ça le diagnostic, c'est vous faire un tri. Après, vous en faites ce que vous voulez. J'ai la possibilité, une fois que je vous ai donné le diagnostic, si vous me dites, ah ben, je te prends la routine soin visage au complet. Eh bien, ok. Moi, ce que je fais, dans ma petite application que je vous ai montrée, je vais sur votre profil client. Je peux tout vous mettre dans le panier et de vous envoyer le lien. Comme ça, vous n'avez pas à chercher les produits. Voilà. Ça permet aussi de vous voir tous les prix, de cliquer sur les fiches articles. Et une fois que je vous envoie le lien, si vous voulez enlever des produits ou en rajouter, vous pouvez également. Ça, c'est possible. Mais au moins, ça, je vous évite de chercher trop longtemps. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur le diagnostic personnalisé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, bien sûr, je suis là. J'attends avec grand plaisir de vous faire votre diagnostic. Moi, c'est vraiment quelque chose... C'est la partie que je préfère dans cette mission de styliste beauté. C'est d'aller fouiner dans mon petit tableau. C'est pour ça que je passe du temps. Hein. Je mets au moins une demi-heure. Ça me gratte à la tête. Je mets au moins une demi-heure pour faire votre diagnostic parce que c'est important d'y passer du temps. J'ai pas envie de le bâcler. J'ai pas envie de vous conseiller n'importe quoi. Donc, j'y passe du temps. C'est normal. Pour vous donner le meilleur résultat, d'accord? Donc après, vous allez sur les fiches articles et si ça répond pas à votre demande, vous me posez d'autres questions. Je vous dis peut-être que moi, je vais cibler quelque chose de très global par rapport aux réponses que vous m'avez données, mais peut-être que dans les réponses, vous savez qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire et que vous aimeriez me dire et là, bah, n'hésitez pas. Je pense par exemple à tout ce qui est complément alimentaire. Jamais dans le questionnaire, on va vous dire est-ce que vous avez mal au ventre quand vous avez des règles douloureuses. Je cite un exemple très très concret. Moi j'ai un produit pour les règles douloureuses, aux huiles essentielles, un truc magique quoi. Mais ça on ne vous le pose pas la question dans le questionnaire. C'est pour ça qu'il y a des fois je vous dis, vous imaginez peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas me dire, mais peut-être que j'ai la solution, donc dites-moi tout. Franchement dites-moi tout parce que je peux vous trouver beaucoup beaucoup de solutions. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, j'étais toute seule pour cela et ça fait très très bizarre si je n'ai pas l'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pendant le replay. J'espère vous voir bientôt pour faire votre propre diagnostic personnalisé et ma foi, que vous ayez la meilleure des routines pour prendre soin de vous. Je vous fais des bisous, ciao ciao, bonne soirée.